Coucou les cindos, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 avril. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord Allez, c'est parti pour vous, amis cancer, pour vos messages pour cette semaine. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit je suis égal à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts. Et mes qualités. Donc là, vous demandez à ce qu'on ne vous mette pas sur un piédestal. Vous êtes qui vous êtes, vous êtes comme vous êtes et surtout, euh, vous ne voulez pas être idéalisé, vous ne voulez pas euh, être considéré comme, le princesse, euh, comme la princesse ou le prince charmant en tout cas. Euh, vous êtes comme vous êtes tout simplement. Le message est clair. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit on vous parle d'un rejet. Donc, il y a une déception par rapport à une relation. Peut-être que c'est par rapport à une, une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Ou peut-être que vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une déception aussi. Peut-être que vous, vous êtes disputé, vous n'êtes pas d'accord euh, par rapport à euh, la direction que vous voulez donner à votre couple, par rapport à un projet. Enfin, vous voyez comment ça vous parle ici. Et on vous parle de confiance. Ayez confiance. Alors, pour les célibataires, si vous, êtes, euh, si vous avez eu une déception par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie, on vous dit ⁇ ayez confiance ⁇ ce n'était pas la bonne. Voilà, ayez confiance, ce n'était pas la bonne pour certains et certains d'entre vous. Donc, euh, changez de cap. Euh, allez voir ailleurs. Il euh, y aura d'autres personnes qui vont se présenter ou il y a d'autres personnes qui ne vont, qui vont pas tarder à arriver. Et pour d'autres, on vous dit que peut-être parce que cette personne nous a aussi euh, rejeté, peut-être que cette personne nous a dit qu'elle n'était pas intéressée, ah, ce n'est pas forcément parce qu'elle n'est vraiment pas intéressée, c'est peut-être parce que cette personne aussi, elle a des choses à guérir, elle n'est pas prête à franchir un cap. Ça ne veut pas dire que vous ne l'intéressez pas, mais pour l'instant, non. Euh, pour l'instant, non, elle ne se sent pas prête ou prête à franchir un cap ou aller de l'avant avec vous. Donc, on vous dit de garder confiance en vous, ça ne vient pas de vous. Ça vient juste euh, uniquement de l'autre personne en face. Et si vous êtes en couple, on vous dit, faites, euh, ayez confiance, les choses vont s'arranger dans votre couple par rapport à cette. À cette euh, à cette dispute qu'il y a pu y avoir, ou à cette divergence d'opinion en tout cas, euh, les choses vont s'arranger, vous voyez, vous allez trouver un compromis, vous allez trouver un terrain d'entente. Alors peut-être aussi vous êtes disputé parce que euh, vous vous considérez vous considérez que votre autre vous met sur un piédestal et vous êtes en train d'essayer de lui faire comprendre que bah vous, vous êtes comme vous êtes. Vous n'êtes pas quelqu'un de parfait. Peut-être que euh, c'est vrai que peut-être que votre, votre autre a des attentes très précises par à, ce qui vous concerne, et ça vous met la pression, ça vous met un stress que vous ne supportez plus. Donc vous essayez de lui faire comprendre, et c'est tout à fait c'est tout à fait euh, comment dire légitime de votre part tout simplement donc voyez vous euh, voyez comme ça comment ça vous parle euh, par rapport à ce que vous vivez mais effectivement vous avez raison euh, de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle change un petit peu d'attitude parce que vous ça ne convient pas et euh, vous n'avez pas à, à répondre à ses attentes tout simplement que vous êtes comme vous êtes ici qu'est ce qu'on vous dit on vous dit, bah effectivement qu'il y a des nuages, donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des nuages. Alors mais sachez que les nuages, ça passe toujours. regardez, il y a le soleil qui brille derrière. Hein. Le, le nuage est quand même éclairé. Donc euh, le nuage va passer. C'est juste une petite broutille euh, pour les couples. Euh, vous allez, euh, vous allez re, de nouveau retrouver une certaine forme de sérénité. Le nuage va passer. Euh, C'est un nuage quand même qui est aimant, donc ce n'est pas un, 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 un nuage qui est... Euh, qui a, qui a le cœur brisé on va dire donc ici c'est un nuage qui fait juste passer ça, ça euh, il faut vo voir quand même le bon côté des choses quand il y a des disputes quand il y a des euh, divergences d'opinion, ça, ça euh... Ça permet de remettre des choses en perspective. Ça permet aussi de faire un point où vous en êtes dans votre couple. Euh, ça fait, permet aussi de voir que, ben bah, oui, on évolue, le couple évolue. Vous êtes deux personnes qui évoluez, donc forcément le couple évolue. Donc ça permet de recadrer les choses et de repartir vers l'avant aussi. Et pour les célibataires, bah, oui, vous avez une petite zone de perturbation, une petite zone de turbulence. Mais qu'est-ce qu'on vous dit ici On vous dit un grand oui. Donc pour les couples, oui, le nuage ne fait que passer, oui, vous allez vous réconcilier, oui, vous allez continuer ensemble, oui, tout va bien se passer. C'est un grand oui, c'est le grand amour, mais de toute façon, vous avez l'intelligence tous les deux de savoir vous remettre en question, ne pas être rancunier ou rancunière par rapport à une situation. Euh donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et pour les célibataires, ben bah oui, vous avez vécu une petite euh, période, vous avez euh, vécu une déception, mais on vous dit oui, oui, euh, bah cette déception, ça va vous permettre aussi d'acquérir une, une expérience supplémentaire, de comprendre aussi que euh, bah, cette personne n'était pas euh, prête pour vous. Donc, c'est peut-être parce que cette personne ne vous est pas destinée. Et vous allez, on vous dit oui, oui, il y a une autre personne qui arrive pour vous. Et je pense que vous allez, euh, d'ici la fin de la semaine, vous allez vous en apercevoir, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Donc, ne désespérez pas. Euh, ne soyez pas trop déçus non plus. Oui, cette personne vous plaisait, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire encore plus. Voilà pour vous, amis cancer, le message c'est plutôt encourageant, c'est plutôt très joli. Hein. C'était plutôt très joli, et puis on, on était un petit peu parti euh, mal avec le rejet et avec le cœur marron, mais finalement euh, les choses s'arrangent. Tout va s'arranger pour le mieux pour vous, amis cancer, que vous soyez en couple ou célibataire, et c'est très bien. Moi, j'aime bien quand il y a des happy ends. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Donc, c'est une petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Vous voyez Quoi qu'il se passe, tout ira bien. On revient avec le oui. Oui, ayez confiance. Tout ira bien, quoi qu'il se passe, que vous soyez célibataire ou en couple. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre, je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien, oui. Croyez que tout ira bien et vous verrez que tout ira bien, tout simplement. C'est ce qu'ici, on essaye de vous dire et de vous faire comprendre. Voilà. Tout ira bien, ami cancer, quoi qu'il arrive. C'est plutôt un joli message d'encouragement et surtout, ne baissez pas les bras et soyez persévérant et persévérante. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer en tout cas et que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, ami cancer. Des petites zones turbulentes, de turbulence pour le début de la semaine, mais ça se termine. Mieux en tout cas, ça s'arrange vers la fin. Voilà, <laughs> j'ai l'impression de vous donner la météo. <laughs> je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les cancers, à vous les scorpions. Ici, quel est votre message Souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, souvenez-vous que tout est possible en amour. Euh, rien n'est... Il n'y a pas de difficulté insurmontable. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de situation qu'on ne peut pas pardonner. Alors, des fois, on peut pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on oublie aussi. Hein. Euh, après, ça dépend aussi des caractères. Ça dépend des situations. Ça dépend de ce que ça ravive aussi euh, comme vécu et comme mauvais souvenir aussi, comme blessure. Mais oui, tout est possible en amour. Allez, on va aller voir vos messages. Ça, c'est la carte conseil pour euh, la fin. Ici, on vous dit. On vous parle de perturbations, donc il y a des euh, perturbations. Donc vous, vous êtes célibataire, vous êtes perturbé, alors peut-être que vous êtes perturbé parce qu'il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. Et votre petit cœur est chamboulé, vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que vous êtes toujours perturbé suite à une déception amoureuse, donc vous, euh, vous êtes toujours chamboulé par ça. Euh, vous avez toujours, toujours dans le chagrin, vous avez toujours de la peine, vous ne comprenez pas non plus. Et pour les couples aussi, il y a une perturbation. Euh, il y a des perturbations qui arrivent. Hein. Eh bien, oui, les perturbations et vous êtes même en pause. Hein. Certains d'entre vous ont décidé de... D'autres, certains en continueront ensemble. D'autres penseront peut-être certainement euh, euh, à la rupture. Mais d'autres, ici, vous, avant de la rupture, vous, vous, vous voulez vous donner une chance à votre couple quand même. Parce que vous dites, vous dites que ça serait bien de prendre un break. De pouvoir respirer un petit peu chacun de votre côté. De faire le point. Euh, de savoir où vous en êtes. Et de ce que vous voulez euh, manifester dans votre vie de couple. En tout cas, ici, pour certains et certains d'entre vous. En tout cas... Euh, pour les célibataires, vous, vous êtes perturbé par rapport à cette poste qui a été imposée. Peut-être que c'est vous qui l'avez imposée aussi. Hein. Euh, alors, célibataire, parce que certains, certains d'entre vous, malgré, euh, par rapport à cette poste, vous vous considérez célibataire. Pour d'autres, vous vous considérez toujours en couple. Donc, voyez où vous vous situez. En tout cas, ça parle, un petit, ça parle de la même manière. Hein. Mais les célibataires sont perturbés par rapport à cette... Euh, à cette pause que vous vous considérez comme une rupture et pour les personnes qui sont en groupe qui considèrent que c'est une que c'est vraiment un break oui c'est perturbant euh, mais c'est perturbant mais quelque part vous savez que c'est une chance aussi pour certains certains d'entre vous euh, de faire cette de faire ce break et de pouvoir euh, avoir une remise en question par rapport à ce que vous voulez par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie aussi hein. euh, c'est plutôt bien c'est pas une rupture une rupture franche parce que vous vous laissez quand même euh, le temps à la réflexion et le temps de pouvoir sauver votre couple et de voir ce qui peut être sauvé ou de ce qui ne peut pas être sauvé. C'est plutôt bien parce que vous vous donnez une chance, en fait. Hein. C'est une chance mutuelle puisque vous acceptez le break d'un commun accord. Hein. Ici, on vous parle de repos. Bah, vous voyez, il euh, y a vraiment un repos euh, pour vous, euh, les scorpions, qu soit, que vous soyez, que vous considériez célibataire suite à ce, à ce temps de repos ou en tout cas que vous considériez toujours en, en couple par rapport à ce break. Il hein. y a vraiment, euh, ça se recoupe vraiment ici, hein. Et si on vous parle d'une union, ben c'est pour ça. Je comprends pourquoi le message, on vous dit que tout est possible en amour. Tout est possible parce que oui, euh, oui. Vous allez réfléchir, oui, pour certains, alors ça parlera pas comme ça à tous les célibataires, peut-être que suite à, cette, à ce break, il y aura quand même des ruptures effectives parce que vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas continuer. La direction que votre couple prend ne vous correspond pas ou ne vous correspond plus en tout cas. Mais pour d'autres, on vous dit que ce temps de repos, parce qu'il y a quand même deux fois le temps de repos, hein, donc c'est peut-être un temps de repos qui va durer plus, plus d'une semaine, ou peut-être que c'est déjà un temps de repos qui a duré et qui va peut-être encore durer cette semaine. Mais regardez à la clé pour certains, certains d'entre vous. Ça vaut peut-être le coup d'attendre, hein. ça vaut peut-être le coup de se poser les bonnes questions, de prendre du recul, de regarder les problèmes sous un angle différent ou de prendre de la hauteur par rapport à ça et, euh, et de, de s'imposer ce temps de pause pour savoir exactement est-ce que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de, de votre partenaire ou de cette personne qui a compté dans votre vie et qui est-ce qu'elle compte encore pour vous Qu'est-ce que vous voulez faire avec elle Qu'est-ce que vous voulez construire Est-ce que vous avez envisagé encore de construire avec cette personne est-ce que vous voulez fonder une famille si vous n'avez pas encore fondé Est-ce que vous voulez vivre avec elle si vous n'êtes pas encore. Euh, si vous ne vivez pas encore en couple euh, Voyez comment ça vous parle En tout cas, ici, voyez, hein, on vous dit hein, que tout est possible en amour. Bah, je comprends mieux maintenant. Oui, tout est possible en amour parce que euh, finalement, suite à ce temps de repos, suite à ce temps de réflexion, bah, vous allez en venir tous les deux. Euh, à la conclusion que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous n'avez pas envie que votre couple s'arrête, vous avez envie de continuer. Alors, peut-être continuer différemment, peut-être apporter des améliorations. Oui, euh, c'est normal. Vous aurez réfléchi à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus par rapport à vos personnalités, par rapport à vos envies. Mais en tout cas, euh, vous allez consolider votre relation. Ça va, ça va vous permettre de vous, euh, de vous retrouver, de, de, de construire quelque chose de beaucoup plus solide. Ça va vous permettre de, de vérifier les bases aussi que les bases. Les bases que vous avez donner à votre relation, voir si elles sont solides. Et moi, avec ce oui, oui, vos bases sont solides. Oui, ça va vous permettre de les consolider. Oui, ça va vous permettre de vous expliquer exactement sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez faire, quelle direction vous voulez donner prendre à votre couple. C'est là que peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement, ben, vous êtes, vous êtes d'accord, vous avez, vous avez les mêmes énergies, ça vous parle de la même manière, vous avez envie de prendre la même direction. Et, euh, et c'est plutôt bien. Donc peut-être que ça va consolider. Oui, vous allez peut-être décider de vous installer ensemble. Vous allez peut-être décider de vous paxer, euh, et de vous marier aussi. Euh, voyez comment ça vous parle en tout cas. Ou peut-être de faire juste un enfant. Hein, parce qu'un enfant, comme je dis, je dis souvent, un enfant, quoi qu'il quoi, quoi qu arrive, c'est un engagement à vie. Ça vous engage à vie avec euh, l'autre personne. Hein. Euh, que vous soyez divorcé ou séparés ou pas, un enfant bah, vous fera toujours. Euh, Fera toujours que bah, vous avez été ensemble et que cet enfant est le fruit de votre amour. Donc, c'est un engagement à vie, un enfant. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, euh, il euh, y a vraiment une jolie chose. Hein, ici. Allez, le conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit ici J'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. Donc oui, je pense que c'est un temps de pause aussi par rapport à ça. Peut-être qu'on vous a fait des reproches, peut-être que vous avez fait des reproches à votre autre, mais je pense que ça va vous permettre aussi de vous resituer par rapport à ce. est-ce que le défaut, est-ce que le reproche qu'on m'a fait, est-ce qu'il est constructif ou pas Est-ce que c'est plus une atteinte à, à qui je suis vraiment ou pas Alors, Il y a des questions à se poser. Hein. De toute façon je vous vous n'avez pas besoin de moi pour, pour vous poser ces questions et y répondre. Vous allez savoir très bien le faire à ma place. Mais en tout cas, vous allez trouver les réponses. Et en tout cas, il y aura un grand oui ici. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À vous les poissons, amis poissons. Quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on vous dit un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc, ici, il va y avoir une nouvelle chance. Peut-être qu'il y a des couples qui s'essoufflent et en fait, vous allez avoir l'opportunité de, de vous créer une nouvelle chance pour continuer à avancer ensemble parce qu'il y a toujours de l'amour entre vous et vous ne voulez pas vous laisser sur le bord du chemin. Et pour les célibataires, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive de nouveau, hein, quelque chose, une nouvelle chance, un nouvel amour. Nouvelle, une, une nouvelle opportunité de faire vibrer votre cœur. Hein. Et c'est plutôt un très très joli message ici pour vous, amis poissons. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici On vous parle de non, on vous on parle de négatif. Il y a une situation négative euh, qui est intervenue dans votre vie, Alors que vous soyez en couple ou en célibataire, voyez comment ça vous parle. Et on vous dit qu'il y a une décision à prendre. Ah donc il y a une décision, peut-être qu'il y a un changement de cap à prendre par rapport peut-être à votre couple aussi. Euh, peut-être que votre couple est peut-être à... Alors, pour certains, certaines, il peut-être... Votre couple est peut-être arrivé en bout de course, et est en train de s'essouffler. Donc, vous avez une décision à prendre par rapport à ça. Est-ce que euh, votre couple est vraiment en train de s'essouffler Est-ce que vous pensez vraiment que euh, bah, vous ne pouvez plus continuer ensemble Que vous êtes vraiment arrivé au bout du bout? Donc euh, dans ces cas-là, bah, le choix que vous allez apprendre, euh, bah, c'est... Euh... C'est un choix de rupture. Est-ce que vous pouvez penser que votre couple peut euh, se renouveler, peut changer d'énergie, peut se transformer euh, Donc, c'est un choix de continuer, d'en discuter et de voir comment vous pouvez modifier les choses. Peut-être que vous êtes noyé dans une routine, peut-être que vous êtes enfermé dans cette routine et qui, qui ne permet plus de vous épanouir non plus dans votre quotidien. Donc, voyez, peut-être qu'il y a des choix à faire en fonction de changer des choses. En tout cas, voyez comment ça vous parle, mais... En, Ici, il va y avoir des, des choix qui vont être faits pour aussi sauver le couple et faire qu'il fonctionne. Pour les célibataires, ici, on vous dit peut-être que vous, vous avez euh, deux personnes qui sont présentes en face de vous et on vous dit non, de ne pas jouer sur les deux tableaux, qu'il y a un choix à faire. Choisissez, alors soit vous allez choisir l'une des deux des personnes, soit vous, vous allez dire, bah, si je n'arrive pas à choisir entre les deux, bah, c'est qu'aucune ne me convient. Donc, ce sera la prochaine rencontre qui me conviendra. Il y a des choix ici. Vous allez et puis bon, vous voyez, choice right. Vous allez faire le bon choix. Vous allez choisir avec le cœur. Oui, faites les choix avec votre cœur. Faites, faites les choix qui vous parlent. Faites les choix qui sont, qui sont bons pour vous et qui vous font vibrer. De toute façon, il n'y aura pas de mauvais choix à partir du moment où vous faites le choix avec le cœur. Le choix qui va vous, qui vous, vous vous dites que c'est ce choix-là qui est bon pour vous et qui va vous épanouir tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on part avec quelque chose d'un petit peu négatif ici. Mais pour moi, l'arrivée, ce sera positif. Donc la suite des messages, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre Ici, on vous parle de ressenti. Oui, suivez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. Suivez, c'est ce que je disais. Suivez votre cœur. Le cœur, c'est l'intuition. Euh, suivez, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur par rapport à cette situation Est-ce que cette personne est bonne pour vous euh, Est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes Est-ce que vous êtes sûr que c'est l'une des deux euh, Est-ce que vous êtes sûr que... Ben, et vraiment, c'est une des deux où peut-être que vous pouvez peut-être patienter encore et attendre la prochaine. Peut-être que ce sera mieux pour vous. Dans votre couple, il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais euh, est-ce que vous êtes sûr que c'est euh, insurmontable Vous voyez, comme ça vous parle, en tout cas ici, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti par rapport à la situation que vous vivez. Écoutez votre cœur. Et on vous dit que vous, allez, vous avez la clé en vous. Hein. Vous avez trouvé la solution, la solution qui va vous, vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Alors. Pour les couples ici, oui, il va y avoir des nouvelles opportunités d'amour parce que vous allez comprendre ce qui peut-être que c'est cette routine qui vous qui vous ne convenait plus, peut-être que, euh, peut que c'est un mode de fonctionnement aussi de l'un ou de l'autre, peut-être que vous êtes arrivé, euh, euh, peut-être qu'il y a des choses qui vous conviennent plus chez votre partenaire, mais votre partenaire vous dit mais bah oui, mais toi tu réagis, moi je réagis comme ça parce que toi tu réagis comme ça, ça va vous permettre de vous remettre en question. Euh, tous les deux et ça vous va vous permettre de trouver des solutions justement pour continuer à vivre l'amour parce que vous êtes vous vous aimez hein. c'est pas c'est pas c'est pas un couple ici on me parle pas d'un couple qui en manque d'amour hein. vous vous aimez mais peut-être qu'il y a bah, il y a des choses à changer tout simplement et vous avez des solutions vous allez trouver la solution ça va vous ouvrir une nouvelle porte pour les célibataires on vous dit qu'ici écoutez votre ressenti par rapport à cette situation et ce choix que vous avez à faire faites le choix écoutez votre situation de toute façon vous allez vous avez la solution en vous, vous connaissez la réponse, vous savez ce qui est bon pour vous en fait. Hein. Euh, euh, ne vous laissez pas influencer euh, par une des deux personnes, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je, je reste sur cette, cette position qu'il y a quand même deux, deux personnes, que vous avez un choix à faire. Ne vous laissez pas influencer par ces deux personnes, écoutez-vous, vous surtout, écoutez votre cœur. Est-ce que votre cœur vivre Est-ce que l'une de, de, de ces deux personnes fait euh, palpiter votre cœur Si c'est non, laissez tomber. Si c'est oui, vous voyez laquelle vous fait palpiter et tentez votre chance. Mais en tout cas, moi, je vous fais confiance. Hein, vous avez la solution. Vous savez vers quoi vous voulez vous diriger tout simplement. Hein. Je crois que la, la, la réponse, vous la connaissez déjà. Je crois que vous savez déjà si, euh, si c'est une de ces deux personnes qui vous intéresse ou si vous voulez attendre euh, une autre personne. En tout cas, vous allez rentrer dans cette semaine. Euh, Jusqu'au milieu de semaine, je pense que vous allez peut-être encore tergiverser. Vous êtes encore à vous dire, ce n'est pas possible. C'est peut-être l'une des deux ou peut-être que c'est plus aucune. Mais en tout cas, je, je pense que d'ici la fin de semaine, vous aurez trouvé votre solution parce que vous aurez su écouter votre cœur, vous aurez su vous écouter. Vous saurez exactement ce qui vous convient. Tout simplement. Vous avez plutôt euh, de bonnes énergies ici. Oui, c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, né, nébuleux ici, mais en tout cas, ça va s'éclaircir au fur et à mesure que les jours vont passer parce que vous saurez faire le bon choix, vous saurez faire le choix en conscience, le choix qui est bon pour vous. Ici, votre carte conseil pour euh, cette semaine, attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous conseille Je prends conscience de mon potentiel. Nous avons tous des ressources en nous que nous, nous, que nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel Donc, ça, c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez vous poser cette question qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre conscience de votre potentiel au niveau sentimental? Et de toute façon, oui, vous allez passer à l'action puisque vous allez faire le choix. Donc c'est ce choix qui va, vous dé, qui va vous permettre de comprendre qui vous êtes vraiment et euh, ce que vous voulez vraiment en fait. Hein. C'est en faisant ce choix-là euh, que ça va vous permettre euh, de comprendre vos ressentis. Peut-être peut c'est le choix qui va déclencher, je pense, votre intuition. Euh, vous allez vous dire, bah, je vais faire ce choix-là et c'est votre intuition qui va dire, oui, oui, tu as raison, vas-y. Ou non, non, euh, tu vas pas dans la bonne direction. Attention, méfie-toi. Mais en tout cas, ici vous, oui, vous allez vous écouter et vous allez vous lancer. Vous allez savoir exactement quelle direction vous voulez prendre pour vous. Donc vous allez agir en fait. Vous allez comprendre quel est votre potentiel amoureux et qu'est-ce que vous attendez exactement euh, que la vie vous amène comme amour. Est-ce que, est, est que vous l'avez déjà trouvé avec votre partenaire Je pense que oui. Ici, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous l'avez trouvé avec ces personnes qui sont présentes dans votre vie Je pense que non. Mais bon. Vous êtes tellement, il n'y a, a pas qu'un poisson, hein, donc euh, je pense que il euh, y a d'autres. Vous direz oui, je l'ai trouvé euh, en présence de cette personne-là, et c'est tant mieux. Euh, Croyez-moi, je ne veux que votre bonheur. <laughs> voilà amis poissons, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.